On est en studio où on est en train de peaufiner nos premiers reportages pour la série « On est les meilleurs ». Et là, on travaille sur un reportage sur le riz sauvage. C'est dans le nord de la Saskatchewan que ça se passe, à La Ronge, à la hauteur de la baie du Tusson. C'est vraiment des gens extraordinaires qui font le meilleur riz sauvage au monde. Ensuite, on est descendu dans le sud de la Saskatchewan. On a découvert une famille de Français qui ont immigré au Canada et qui sont devenus parmi les plus grands producteurs de blé dur au Canada, donc au monde. Et leur blé dur est tellement bon que c'est le blé que l'on prend en Italie pour faire les meilleures pâtes. Alors, quand on est là-bas et qu'on mange des pâtes, il y a un peu du Canada qui est là-dedans. Ensuite, on est parti en Nouvelle-Écosse, à Digby. C'est une belle petite baie où, finalement, on a commencé à récolter un pétanque qui est maintenant célèbre, le pétanque de Digby. C'est un pétanque qui est gros, qui est ferme, qui est sucré, qui est vraiment le meilleur que j'avais jamais mangé de ma vie. Alors maintenant, quand je vais à la poissonnerie, je commence toujours par regarder s'il y a des pétanques de Digby de Nouvelle-Écosse. Et le périple se poursuit au Québec parce que quand on mange des fraises l'hiver, eh bien, il y a bien des chances que ce plant de fraises-là qui a servi à produire ces fruits-là soit un plant québécois. Parce que près de Joliette, il y a la plus grande pépinière de fraisiers, de plants de fraisiers en Amérique du Nord. On les fait ici, on les exporte en Floride, on les replante en terre et on va recevoir les fruits l'hiver venu. À chaque fois, vous allez découvrir une histoire d'une famille ou d'un produit qui est extraordinaire. Parce que d'un océan à l'autre au Canada, on est les meilleurs.